Le modèle ICAP nous propose 4 modes d'engagement cognitif pour favoriser l'apprentissage en profondeur. Chaque mode d'engagement induit un niveau d'apprentissage graduel et différent dans le but d'impliquer l'élève le plus possible dans ses apprentissages. Le mode d'engagement passif induit un niveau d'apprentissage en surface sur le long terme. Les élèves sont en réception d'informations. Ici, l'élève visionne une vidéo documentaire au sujet du clonage humain. Le mode d'engagement actif est le niveau d'engagement cognitif minimal auquel on veut que les apprenants accèdent. Il est nécessaire au travail individuel. Ici, l'élève visionne une vidéo au sujet du clonage humain, mais l'élève arrête la vidéo au besoin pour noter des informations importantes. L'apprentissage actif est-il suffisant? Il serait possible d'engager davantage les élèves dans leur processus d'apprentissage en les faisant interagir avec le contenu. Regardons comment. Le mode d'engagement constructif amène les élèves à analyser des informations ou à en produire de nouvelles. Les apprentissages dépassent la simple manipulation du mode précédent. Ici, l'élève visionne une vidéo documentaire au sujet du clonage humain, mais par la suite, il explique dans ses mots les concepts de la vidéo et les compare avec ses connaissances antérieures. Finalement, le mode d'engagement interactif où les élèves échangent et génèrent des idées. Il contribue activement à la construction d'une compréhension plus large dans le but de générer ou de créer de nouvelles idées. À ce stade, on suppose que les élèves sont déjà passés par le mode d'engagement constructif. Ici, l'élève utilise les explications tirées de la vidéo pour défendre son point de vue au sujet du clonage humain auprès d'un père. Chaque mode d'engagement prédit un niveau d'apprentissage différent et graduel. On passe d'un apprentissage en surface, passif et actif, à un apprentissage en profondeur, constructif ou interactif. Plus vous amenez vos élèves à un mode d'engagement cognitif élevé, plus ils réaliseront des apprentissages en profondeur.